dit non, quand c'est connecté, d'abord, non, quand c'est connecté, vous, je vais vous parler. Connectez-vous. Connectez-vous. On va partager. Rien ne me l'attendait. Partagez. Connectez-vous et partagez. Tout le monde ici, il a fait manger. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis venue au restaurant. Pas le poids, j'attends pas. Hein. Pour manger un coup. Maman m'a appelé. Elle dit que c'est moi, je suis son meilleur cadeau que Dieu lui a donné. Super. Wow. Puis elle s'est fait pleurer elle-même. Elle s'est fait quoi? Pleurer. Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que tu as ressenti? Hein? J'ai ressenti que elle m'aimait. Mais je ne savais pas que. Tu ne savais pas quoi? Qu'elle t'aimait. Tu ne savais pas que ta maman t'aimait? Non, je ne savais pas qu'elle m'aimait. Elle m'aimait comme ça. T'as soigné? Elle a dit comment elle m'aimait. Tu me promets d'être tranquille. C'est aujourd'hui seulement. Elle a montré qu'elle t'aimait. Non, elle m'a montré de tout son cœur qu'elle m'aimait. Mais est-ce que tes fans ils entendent? Oui. Mais ils entendent pas, parle fort. Ah, rien n'a fini, moi ils sont en burger déjà. Tu attendais ça? Moi je les frites maintenant. Tu mets dans la sauce. Partager la connexion. La vidéo. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, hein, s'il vous plaît. Posez toutes les questions à mon bébé. Elle est là, elle va vous répondre. C'est vrai, non? Moi, c'est qui? Si tu parles en français. Toi, c'est qui? Hein? Toi, c'est qui? Ah ouais? Moi, ah ouais? Les fans qui regardent, tu t'as mangé comme une star, bébé. Tu es une star. Ah oui. Miss Côte d'Ivoire 2000. Pour vous. Dans 10 ans, tu seras Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Si tu es Miss Amérique, ça dépend de toi. Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Miss Côte d'Ivoire 2030. Coupe pour accueillir ma main. Il faut donner un accueillir à goûter pour voir si elle aime. Mange ça d'abord. Ça ne va pas aimer. Je suis le caméraman, connais celui qui est à côté. Et tu manges. Donne-moi une fourchette là-bas, s'il te plaît. Tiens. Ah non, elle t'a mis, pardon, à quel est-ce que tu as goûté? Miam, 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 miam. Ça salit. Rien. Lui, il a mangé tout son hamburger. Parle. Pourquoi tu es là? Je suis venu célébrer l'anniversaire de ma petite soeur. Wow. Donc faut demander aux fans de papa de se connecter massivement et puis donc à partager la vidéo. Connectez-vous et partagez la vidéo. Voilà, il faut les informer ce que tu as à leur dire. Pas dit. Faut dire que c'est sérieux. Hein? Tu as forcément faut que tu parles. Aujourd'hui c'est votre jour, c'est pas mon jour. Papa doit faire sortir son nouveau clip. Mais si tu veux, on n'est pas là pour ça, on est là pour. Tu vois? Nadia, je passe le téléphone à Ryan, va parler aux fans. Non, c'est bon. Mais vas-y, parle. C'est important. Parle avec eux, s'il te plaît. Non. Fais pas le timide, hein. Moi, c'est pas chic pour toi. Hein. Voilà. À tout, pour parler. Okay. Hi, guys. Yeah. Please connect to Facebook to watch the video of DJ Luis. Today is the birthday of Aketi. So, connectez-vous. Oui. You gotta speak to her. We're here eating. Je mange shawarma, c'est un peu mélangé, c'est ça. Il y a pizza, il y a tout.
Tu vois, DJ Luis, vous ne connaissez pas. C'est un père de famille. Tu vois. Ça, c'est le DJ Luis que vous ne voyez pas. C'est ça. Vous voyez le DJ Luis, on est quand même venu fou. Mais c'est quelqu'un avec le vrai cœur, gros cœur. Bon cœur. Il est trop gentil. Oui. So, toute la famille, ils sont venus ensemble pour célébrer l'anniversaire de la petite fille. Et pardon pour mon mauvais français. I'm working on it little by little. But connectez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Alpha Blondie avec Alissa, mon épouse. On voudrait vous dire un infini merci pour votre présence durant le mariage qui a eu lieu à la mosquée de la Riviera, dans les jardins de l'hôtel d'Ivoire. Vraiment, je voudrais dire un infini merci à tous les imams et à tous nos frères et sœurs qui ont répondu abondamment dans la joie et le bonheur à notre appel, à notre invitation. Merci à tous les ambassadeurs qui étaient présents. Merci à toutes les autorités ivoiriennes qui ont fait l'honneur d'honorer notre mariage de leur présence. Que Dieu, l'Éternel, vous le rende au centuple. Vraiment, on tenait à vous le dire. On est au village, à Dembokro. Et vraiment, je voulais vous dire merci infiniment. Alissa, je voudrais vous dire merci infiniment. Vraiment, l'honneur était grandiose. Et les fans, les blondiens aussi étaient là. Merci à tous. Merci infiniment. Et 7 mois après le décès de notre légende, Didier Arafat, Didier, comment vas-tu physiquement et moralement, Tina? Bon, je suis pas... J'ai encore de la chair sur moi. Dieu merci, parce que Dieu fait grâce. Ouais. Mais moralement, je suis vraiment atteinte. C'est pas facile de mettre son enfant au monde, le voir grandir, atteindre l'âge de 33 ans, avoir la trentaine. Ouais. Lui qui doit m'ensevelir. Et malheureusement, Dieu a choisi, a décidé autrement. Ouais. Donc, je suis dans ma douleur. Voilà. Mais mon sommeil est beaucoup. Bon, j'ai le sommeil qui se coupe. Je mange pas bien. J'ai même eu un ulcère et tout. Ouais. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais permets-moi de te dire que tu es toute belle et toute rayonnante sur ce plateau. Et ça se voit d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je pense que dans la vie, quand tes ennemis veulent te voir couler, la meilleure arme, c'est de montrer que tu peux toujours rester fort en se faisant toujours belle. Yes. Je m'appelle Glamour. Hein, donc c'est pas pourri. Hein. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, on parle de ta belle-fille, Carmen. Et avant le décès, avant le décès de Didier, de Arafat, quelle était la situation matrimoniale entre Arafat et Carmen? D'aucuns disent qu'il avait fait le coco-co, d'autres disent qu'il était marié, d'autres disent qu'il y avait la dot. De façon claire et explicite, quelle était la situation entre les deux? Non, et Carmen, c'est ma fille. Hein. Mm-hmm. Mon fils et moi, on avait, contrairement à tout ce que les gens racontent, ils se confiaient beaucoup à moi, côté cœur. Ouais. À un moment, j'aime une telle, l'autre, je l'aime pas. Et tu disais qu'il l'aimait? Oui, il me l'a dit. Mm-hmm. Il me l'a dit. Il m'a dit, maman, écoute, ça y est, hein. J'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime. Ouais. J'ai dit, mais c'est qui? Ben, c'était beaucoup, hein. J'ai dit, maman, tu l'as vu une fois à la maison. Il est bien en forme comme toi, de toute façon, là. J'ai dit, c'est qui ça encore? Jusqu'à ce que lui et moi, on parte faire des courses. Et il m'a dit, bon, on va la chercher, on va manger ensemble à midi. On D'accord. a mangé quelque part à Angrais. Carmen, moi et Didier. Et officiellement, il me l'a présenté. Et puis, comme mon fils et moi, on avait le même goût, on est très viande, on avait mangé des brochettes de rognon. Tout à fait.
Et c'est comme ça, j'ai dit, ben écoute, ouais. Le choix de nos enfants, hein, on peut pas les compter. C'est sûr, c'est sûr. Et nos relations, bon, la situation. La situation, oui. Je crois, ils ont fait une dot. Une dot. Moi, j'ai dit, je crois, parce que cette dot, j'ai pas été convié. C'est bizarre. Hein. Les gens vont savoir ça. Je suis pas dans la vidéo, la preuve. Oui, mais il s'est confié à vous et vous n'avez pas été invité. Ben, vous savez, c'est quelque chose qui a été fait précipitamment. D'accord. Et puis, moi, je pense que ceux qui m'ont représenté, ce sont eux qui n'ont pas été bien. Parce que, aller prendre mon petit frère qui est passé. Mais tu savais, tu avais l'information qu'il y avait la tout, cérémonie? Pas du tout. Non. Ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc pour moi parce que j'ai toujours dit, on met pas ses enfants au monde pour que ton enfant fasse coco-co ou bien une dot derrière toi, ou bien se marie derrière toi. Bon, ça a été fait, c'est déjà fait, l'eau qui est versée, on peut pas ramasser, mais au moins, il a montré à tout le monde que il pouvait avoir quelqu'un dans sa vie. Et qu'il l'aimait. Alors, aujourd'hui, pardon. Tu as dit tout à l'heure que quand il t'a présenté Carmen, tu l'as accepté. Mais après, tes réactions, ça n'endrait pas. Aujourd'hui, tu dis que tu l'as accepté. Après, tu dis au début, tu l'avais accepté. Il y a eu quelque chose. Non, pas du tout. Il n'y a rien eu. Carmen, ce n'est pas ma camarade. Ouais. Si. À ce jour, quels sont tes rapports avec Carmen? Mais c'est tranquille. Ça va. Ça va. Enfin, vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde, mais ça va. Non, on ne. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. D'accord. Le choix de mon fils me m'a plu parce que je pense que quelque part. Elle a apporté une certaine stabilité. D'accord. Elle prépare très bien. Je l'ai déjà testé avec ça. Faut pas être jalouse, hein. Je suis choquée qu'il n'y a pas deux mois, tu faisais des vidéos pour dire que c'est une fille de mauvaise moralité et tout. Et puis aujourd'hui, on voit que. Moi, j'ai fait quelle vidéo pour dire qu'elle est de mauvaise volonté. Vous avez fait une vidéo, vous avez dit dedans que je l'appelle, elle ne décroche pas. Oui, j'étais fâchée puisque je l'appelais, elle ne décrochait pas. Ça, c'était oui. Momentané, donc ma chérie. Vous étiez fâchée. Moi, j'aime pas que quand j'appelle quelqu'un, puis on ne décroche pas. Donc, quand j'appelle, Carmen doit. Même toi, si je t'appelle que tu ne décroches pas, je vais avoir la même réaction. Même vidéo. Attends. Ça, c'était dans. C'est normal. Là, j'étais juste énervée. Ben voilà, c'est tout. Je ne pensais pas ce que tu disais. Il se raconte, hein. Il se raconte que 7 mois après le décès de DJ Arafat, que Carmen s'expose sur les réseaux sociaux à des sorties pas très contrôlées. Est-ce que tu as... Pardon ? Des sorties pas trop contrôlées. Des sorties dans des pubs, dans des établissements où ça donne à certaines pratiques, dont le travaillement, ce qui a été vu sur les réseaux sociaux. Pour certains, elle est un peu trop joyeuse. À leur goût. Est-ce que tu partages cet avis? Bon, d'abord, moi, je tiens à vous dire que depuis la mort de mon ange Didier, je suis même pas sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que moi-même, j'ai été victime de... On m'a pilonné. Donc, pour éviter, comme ma gorge me gratte très vite pour ne pas répondre, j'ai fermé mon téléphone où je pouvais avoir accès aux réseaux sociaux. J'ai pris un petit téléphone de 15 000. Là, je fais pas attention. Mais, vous savez, on est en Afrique, hein, gossip, les gens m'ont dit. Yeah. Ah, parle à ta belle-fille, parce que voilà. Bon, moi, je veux dire que c'est... Moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse. Hein. J'ai eu 25 ans. Alors, donc, tu partages pas ces sorties? J'arrive. Je veux dire que j'ai eu 25 ans, il y a eu 30 ans. Je pense que... Elle ne... Être la femme de DJ Arafat, c'est pas être la femme de n'importe qui, justement. C'est du balèze. Donc, quelque part, elle devait prendre conscience de ça. En disant, ben écoute, je suis la femme d'Ange Didier, DJ Arafat, qui est un mythe dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'il restera gravé. Dans la mémoire. Ce qui veut dire qu'elle ne te consulte pas avant de faire toutes ses sorties. Non, j'habite pas avec elle. Bah, elle peut t'appeler quand même. Elle a ton numéro. Oui. Oui. Si elle veut sortir, c'est pas un bébé. Elle prend pas la tétine. C'est pas Rafna. Je veux dire, avant de faire par exemple une d'un magazine assez célèbre en Côte d'Ivoire, il y a quand même l'image de ton fils qui est engagé. Effectivement, il fallait qu'elle me consulte à ce niveau. Voilà. Parce que je suis artiste chanteuse. Et je suis un personnage public.
mère, elle aurait pu m'appeler pour me dire, écoute maman, il y a des gens qui m'ont contacté. J'allais lui dire non. Et moi, je lance un peu la pierre à ceux qui vont vers elle. Sache qu'elle est naïve. Elle n'est pas artiste. Elle vivait avec un artiste, mais elle ne connaît pas les clauses d'être publique. Ça lui est tombé, ça a été imposé déjà par DJ Arafat qui faisait des vidéos avec Carmen, ils allaient faire des courses et tout avec le bébé. Donc tout de suite, attends, on te montre une fois, deux fois dans les caméras, quelque chose que tu n'étais pas habitué. Donc elle a pris goût. Donc moi ce que je peux dire, c'est que les gens, c'est vrai, on va essayer de... Moi personnellement, après cette émission, comme c'est en direct, je vais... rentrer en contact avec elle, lui donner des conseils. Elle a... Bon, et puis il faut dire aussi, il y a l'entourage. Il y a l'entourage aussi. Et tu fais partie de cet entourage-là. Moi, je suis sa famille, moi. Oui, moi, voilà. Je suis la grand-mère. Je suis sa belle-mère. Et la grand-mère de Rafna. Je ne peux pas attaquer Carmen à 100%. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec quelqu'un? Puis un matin... La personne disparaît. Imagine, c'est un goumain. La personne, vous vous séparez là, ton cœur te brûle. Imagine maintenant quelqu'un qui est sous la terre. Ouais. Donc, il faut essayer de voir un peu le traumatisme qu'elle a eu. On a pleuré pendant un mois et demi. Et la nuit. Mais est-ce que c'est une façon d'exprimer ce traumatisme-là de cette manière-là? Est-ce que la jeunesse, ça suffit pour expliquer? Je suis en train de dire, il y a l'an. Il y a l'entourage. L'influence aussi. Mais il ne faudrait pas aussi qu'elle prenne de l'argent pour faire des travaillements. Attends, ça, quand j'ai vu ça sur le téléphone d'une de mes amies, j'ai dit, bon, je vais lui parler. Parce que j'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais il faut qu'elle comprenne que le fait qu'elle est la femme de DJ, elle fut la femme de DJ Arafat. Ses faits et gestes sont contrôlés. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Elle aurait pu dilapider tout l'argent qu'elle a eu, mais elle a investi dans quelque chose. Son entourage n'est pas aussi mauvais que ça. Non, là, ce n'est pas son entourage. Elle m'en a parlé, puisque j'étais à la première du lancement. À l'ouverture de la petite. Donc, maman prend les choses en main. Voilà. Tu vas permettre aux téléspectateurs également de réagir, hein, parce qu'ils ont le droit dans cette émission de le faire via le profil Facebook de la 3. Et bien sûr, nous avons Lydia Taylor qui souhaiterait bien sûr donner son avis sur la question concernant Carmen. On l'écoute. Sincèrement, moi, je pense qu'elle ne va pas faire son deuil toute sa vie. Elle a fait son deuil pendant 7 mois. C'est suffisant. Elle a fait son deuil toute sa vie. Déjà, un, elle est businesswoman. Deux, elle est mère de famille. Tout récemment, elle a lancé la marque de sa fille. Et aujourd'hui, ça paye. C'est bien. Elle a pleuré à Arafat. Elle est assez jeune. Ne venez pas la stresser. Elle a envie de sortir. Elle a envie de s'éclater, de s'évader un peu. C'est normal. Ne soyons pas choqués du comportement de Carmen Sama. Je suis désolée. Désolée, franchement désolée. Arafat a fait sa vie. Et même s'il était encore là, il n'allait pas l'empêcher de s'éclater, de vivre. Lydia Taylor, à l'instant, qui disait en substance si Arafat était là, il n'allait pas accepter. Elle ne le connaissait pas. Alors jamais, elle n'allait jamais accepter ça. Attends, quand il était vivant, elle n'avait même pas le droit de prendre le portail. Hein, parce qu'il était entier et très jaloux. Merci. Ma chérie, si Arafat était vivant, elle n'allait même pas, même elle connaît Arafat. Elle a dit 7 mois, après 7 mois, je suis désolée. Bon, Arafat, c'est pas n'importe qui. Attends. Pourquoi elle dit 7 mois, puis elle doit faire ce qu'elle veut? Je suis désolée, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Si elle faisait des sorties uniquement sur la marque de Rafna, ça je peux comprendre. Mais se mettre dans les bars, faire des travaillements, faire des... Non, je suis désolée. Je suis désolée, elle n'a pas le droit. Moi, je le dis ouvertement. Tu es d'accord avec son assertion? Oui, je suis d'accord avec Unis parce que je pense que être la femme de DJ Arafat, c'est un poids lourd vivant haut. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais en même temps, elle a le droit de vivre quand même. Oui. Elle a le droit d'exprimer. Tu disais tout à l'heure, elle a vécu un traumatisme assez conséquent. Elle a le droit de se libérer de. Je pense que. D'abord, on est dans les temps modernes, on est en 2020. Hein. Voilà. On est en 2020. Et c'est quelqu'un même de nature, elle est très.
Olé, olé. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. C'est pas ce qu'elle nous a montré pendant les funérailles de ce dernier d'Arafat. Il y avait une image assez pieuse, normale, sage. Pendant les funérailles, la famille était là. Maman, papa. Ah, donc c'est pas son vrai visage qu'elle nous a montré. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, c'est ça. La circonstance ne permettait pas, même à moi, à Carmen, de... D'être à l'aise. De montrer le côté naturel. Ouais. Ah, donc elle n'était pas naturelle. Mais, non, le côté naturel, c'est-à-dire, chacun, moi je peux être... Moi je suis une personne, je suis chaude de nature. Et ça c'est la djadja, Pendant la funéraille, même quand quelque chose m'énerve, je suis obligé de... De vous retenir. De me retenir, mais je mangeais un chewing-gum. Moi je ne mange pas de chewing-gum. Regarde bien les vidéos, je mangeais un chewing-gum. Mm-hmm. Pour éviter certaines choses. J'ai été frustré, la personne qui était plus frustrée dans les funérailles, c'était moi. Mais frustré, mais à fond la caisse. De part et d'autre. Mais j'ai attrapé, comme on dit en africain, vos termes, j'ai avalé mon crachat. Je veux dire que Carmen, effectivement, elle doit doser un peu. Parce que les gens sont méchants. En Afrique, les gens sont extrêmement méchants. Elle doit vivre selon les gens. Elle n'est pas en prison. Elle va vivre selon les gens. Non, elle ne doit pas vivre selon les gens. C'est pas d'accord avec ça. Permettez-moi, s'il vous plaît, autour du plateau, permettez-moi, s'il vous plaît. Eunice, permettez-moi de prendre un autre intervenant. Les téléspectateurs souhaiteraient réagir, poser des questions, donner leur avis. C'est le cas de Linda Kwasi qu'on va écouter, s'il vous plaît. Moi, je dirais que il faudrait un temps soit peu qu'on arrête de juger cette dernière. Parce que la douleur qu'elle ressent, l'absence qu'elle ressent, n'est pas comparable à ce qu'elle peut avoir comme attitude. Que ce soit faire des shows, aller à des dîners, sortir avec ses copines. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se mette à la juger. C'est une jeune fille. Elle a besoin de s'épanouir. Et puis, pourquoi pas se remarier? Voilà, je tenais à vous remercier. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. C'est une perche aussi. Oui, Hervé, rapidement. Permets-moi de demander à Eunice d'arrêter de faire ce faux procès à Carmen. Quel faux Maman, procès? Oui, non, arrêtez. Quel faux procès? Il faut qu'elle vive selon les gens, il faut qu'elle arrête. Moi, j'ai dit les choses. Ça me rappelle ici l'histoire. J'ai dit les choses frais. Non, ça me rappelle ici l'histoire de 2 ans. Maintenant, on se plaint du fait qu'elle veut se remettre avec quelqu'un. Même si Carmen fait 10 ans, maman, excuse-moi, j'ai un très grand respect pour vous. Mais même si Carmen fait 10 ans en train de pleurer à Arafat, la 11e année, si elle décide de partir en club, on va dire pourquoi c'est maintenant qu'elle va en club. Arrêtez, s'il vous plaît. Arafat, c'est pas n'importe qui quand même. 7 mois pour un Chinois, c'est frais pour lui. C'est pas n'importe qui. Laissez-moi terminer. Même à maman, ici, ils ont reproché le fait que quelques jours, enfin quelques semaines après, qu'elle. On ne veut pas à la Maman Tina, parce qu'elle a toujours été comme ça. C'est elle, on la connaît, c'est sa personnalité. Ne parlez pas tous à la fois, Edith Dago, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'on était tous contents quand les internautes avaient de l'empathie pour Carmen. Et aujourd'hui, il faut qu'elle considère bien sûr ces gens, parce qu'elle est la femme d'Arafat, qu'elle le veuille ou non, elle est une image. Et elle est obligée de considérer ce que les gens pensent. Pour autant, elle ne doit plus vivre, elle doit plus s'adonner à ses passions. Oui, mais pas de façon aussi dévoilée. Parce qu'après, il y a ce que les gens pensent, et qu'on le veuille ou non, ça compte. Cette façon dévoilée dont tu parles, moi je pense que c'est la vie d'Arafat, c'est clair. Arafat de son vivant. Arafat ne le permettait pas. Justement. Non, il n'allait pas permettre que de son vivant sa femme fasse ça, mais ce qu'elle fait actuellement, elle est en train, si vous voulez, de faire de copier le nom d'Arafat dans le temps. Dans le travail. On dit voici la femme d'Arafat. Mais si Maël fait ça, je dis bon, Maël veut ressembler à son père. Si Ezekiel veut faire, Ezekiel veut ressembler à son père. Mais je suis désolée, c'est sa femme, c'est pas son enfant, c'est quoi? Alors, oui, Yann Cédric. Après tout ce vacarme en grief que je peux. Vacarme, oui. Moi, je pense bien que je suis désolée, mais Carmen n'a pas le droit et moi, je suis très sincèrement choquée par son attitude. Pourquoi? Quand Maman Tina a parlé tout à l'heure, elle a dit que Carmen a réussi à canaliser Ange à un moment donné. C'était pas devant les caméras, mais c'est en intimité que ça a été fait. Et c'est comme ça que Carmen devrait continuer à vivre. Parce que c'est cette belle image-là qu'on a d'elle. Parce que c'est pas elle la star. Elle est devenue star, d'accord, mais c'est pas elle la star. Elle doit rester loin des caméras. Et si elle veut justement se faire voir devant les caméras, c'est que dans une attitude professionnelle,
que devant l'activité qu'elle a montée pour elle et sa fille. Pourquoi tu la jugerais? Pourquoi tu la jugerais selon un acte? Parce qu'après, on vient de dire tout à l'heure, même s'arrêter devant la porte, il n'acceptait pas. Et de son vivant, je ne pense pas que même s'il a rencontré dehors en boîte de nuit, Arafat n'aurait pas accepté que Carmen s'expose de cette manière. Annie France, ton avis sur ça? Je suis un peu partagée ce matin. Je suis entre deux feux. Alors oui, je suis face à une personne qui a perdu son mari, qui était triste, qui était éploré, qui affichait une mine défaite, décomposée pendant ce qui était normal, ce qui était vraiment normal. Ça pouvait être sincère. Qu'est-ce que vous en savez? Sincère question. Laissez-la terminer. Qu'elle se soit sincère ou pas, moi franchement, je suis pas là pour juger Carmen. Je suis là pour juger les actes qu'elle pose. Après, Carmen, elle est jeune. On est face d'une personne qui a 25 ans, qui est maman, qui s'est retrouvée sous les feux des projecteurs parce qu'elle a décidé d'aimer une star. Et elle est obligée, elle était obligée d'endosser ce rôle-là. Aujourd'hui, Carmen a envie de vivre. Tout à l'heure, Tina disait tout à l'heure que elle a réussi à canaliser Arafat. Donc quelque part, on n'est pas en face d'une personne qui est immature. Elle est peut-être jeune, mais elle n'est pas aussi immature. Donc je pense que quelque part, elle sait ce qu'elle fait. Là où je déplore un peu son acte, c'est les histoires de travail. Moi, je pense que Carmen gagnerait à continuer ses cours, à rester. Le truc, Annie, c'est que quand tu es la femme d'Arafat, tu appartiens à toute une communauté. Oui, justement, mais... On dit il y a les Chinois qui se mobilisent, Mais il y a une frange. En fait, tu n'es plus la personne lambda que tu étais. Voilà, tu n'appartiens plus à ta famille biologique, mais tu appartiens au monde. Donc, Carmen m'appartient aussi, en fait, parce que je le dis, je suis chinoise. Donc, ça ne se voit pas, mais je le suis. Donc, Carmen m'appartient aussi. Donc, mais je ne peux rien faire parce que c'est un être humain et elle a besoin de vivre, elle est maman. Et si nous, on se permet de lui crier dessus pendant qu'elle a une fille qui est Rafna, qui a besoin de voir sa maman radieuse et épanouie, qu'est-ce que Carmen? On va l'enterrer elle aussi ou qu'est-ce qu'on va faire en fait? Non, on va la protéger. Ce que je voulais dire en fait, c'est que qu'elle s'enferme dans la maison, qu'elle sorte, c'est pas ce qui va réveiller Didier Arafat. Oui. C'est ça, oui. Voilà. Tout à fait. Que moi je m'enferme, que je me voile, ça va pas ressusciter Didier Arafat. Merci. Donc, les Ivoiriens, au lieu de s'occuper de ce genre de choses, ils n'ont qu'à penser un peu à leur avenir. Mais en même temps, Tina, ils s'en occupent parce que Arafat représente quelque chose pour eux. Parce que Arafat est plus qu'une personne lambda pour eux. Parce que Arafat est un modèle, est une icône pour eux. Donc ils se sentent concernés. Je travaille, je m'occupe de ma vie. Il y a des gens qui sont taciturnes. Ouais. Oui. Carmen, je me rappelle encore du vivant de mon fils. Une fois, il m'a appelé, maman. J'ai dit, oui, viens parler à Carmen. J'ai dit, à quoi? Tu m'appelles pour que je parle à Carmen. Elle est têtue. Hein. Et il y a des gens qui sont entêtés. Mm-hmm. Comme je dis, c'est une fille qui est joviale. Voilà. Quand elle te voit, elle te saute là-dessus, maman, machin. Elle est très. Elle est mature, mais elle a un côté. Elle est femme-enfant. Baby. On appelle ça femme-enfant. Baby girl. Femme-enfant, baby girl. Ouais. Voilà, elle est comme ça. Elle adore tout ce qui est excentrique et tout. Mais c'est de la canaliser. Je vous donne un exemple. La Saint-Valentin, elle est venue me trouver chez moi. Elle dit, nous sommes deux. Maman Valentine, ben c'est mon prénom. Ouais. Oui. On est deux. Mon mari n'est plus là. Toi aussi, tu n'as pas de mari. Voilà, une rose. Oh, c'est mignon. Voilà, un sac à main. C'est pour dire que quelque part, cette petite-là, au fond d'elle, elle souffre. Exactement. Donc, moi, j'adore Mewé. J'ai pas pu voir le grand frère Mewé, que j'ai salué, pendant les obsèques. Et Mewé chantait dans une boîte de la place. J'ai dit, bon, allons, j'allais danser un peu de Zoblazo dans le coin. Carmen est venue me trouver. Et on est partis ensemble. C'est nous deux qu'on est arrivés dans le coin. La première personne qu'on a vue, c'était le grand frère Al-Mustapha. Est-ce qu'il fallait stratégie pour t'attendre? Pas du tout. On n'avait pas le temps de stratégie. Moi, je suis seule, elle est seule. Excuse-moi. C'est normal de se rapprocher. Il n'y a pas de stratégie. C'est une douleur que nous deux. Elle n'est pas obligée de venir chez moi. Oui.
Elle aurait pu aller à son Valentin. Non, maman, pourquoi tu dis ça? Elle voit des photos. Elle est venue, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, maman, ah, qu'est-ce que tu dis? Allons au restaurant. J'ai dit, non. C'est pour entrer dans les films des gens. Non, pas du tout. Maman, tu disais. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu représentes pour nous? Est-ce que tu représentes pour nous? Elle se rapproche un peu de la voix. On a des sondages. On a des sondages pour ou contre. Je pense pas. On termine rapidement avec Tina. S'il vous plaît, Eunice, laisse Tina terminer. Laisse Tina terminer, s'il te plaît. Oui. Ça a été sincère. Ça a été sincère parce que je sais où elle est venue me chercher. Ça a été sincère. Et moi, je pense que il faut laisser les gens un peu souffler. Parce que ce qu'on extériorise, c'est pas ce qu'on ressent à la maison. Tout à fait.